Yu-yu. C'est un atrium encore, mais gigantesque. Ça, c'est un département de météorologie. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire de la météorologie là-dedans? Oula, il y a des grilles et tout, ça rigole pas. En tout cas, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de faire le ménage ici. Hein. Les écrans de contrôle sont tous éteints. C'est effondré. Ah bah c'est grand pour pas grand chose au final, hein, puisque de toute façon il n'y a qu'une seule issue, c'est là où il y a les grilles. Ah, ils sont malins. Yu-Yu, Audrey Hepburn. Ah bah non, je peux pas passer. Ah bah moi je veux bien, mais comment j'ai fait pour aller voir Miss Audrey si j'ai pas le droit de passer la grille? Ça doit être l'entrée et sortie rapide. Ça veut dire qu'il y a un autre chemin à découvrir. Qui va être plus long et plus compliqué très certainement que ça. Ça c'est plutôt la sortie à la Bethesda. Alors attendez, on va récupérer le microscope. Et on va regrimper parce que clairement c'est pas à cet étage là que ça se passe. Du coup si on peut pas passer... Ah mais non mais j'ai nulle part où aller. Ah attendez, il y a un petit problème là, il y a un petit problème. Moi je suis arrivé là où tu voulais que j'arrive. J'arrive mais le problème c'est que j'ai nulle part où aller. Tu veux pas que je passe la grille, comment je fais? Yo-yo! Y'a quelqu'un? Audrey? Audrey Burn? Je peux pas passer! C'est un peu embêtant quand même! J'ai des plans, faut que je lui amène, mais je peux pas rentrer. C'est assez ballot quand même. C'est pas commun comme truc, je me retrouve coincé. Et il n'y a pas d'autre chemin. Comment je fais ça? Aïe, quel bordel. Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76, et oui, un jeu Bethesda, un jeu buggé, puisque j'ai vérifié, je devrais pouvoir passer logiquement, hein, puisque c'est si jamais je viens ici avant la quête que je reste bloqué, que je ne peux pas passer, sauf que là je suis dans la bonne quête et je ne peux pas passer, je suis donc bloqué, c'est fantastique, c'est génial, on adore ça, ça fait partie des bugs, ah c'est la tradition, hein, c'est comme ça, hein. Pour l'instant j'ai failli le dire à l'épisode précédent, c'est quand même incroyable. Pour l'instant, il n'est pas vraiment. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pillard qui se retrouve à poil dans la caverne, de PNJ qui perd un bras à la Ramani dans Aube d'Acier. Il n'y a pas tout ça. Et bah, ça y est, là c'est mon premier bug. Je devrais passer, je passe pas. Alors, il paraît qu'il faut que je relance le jeu. Apparemment, j'ai vu ça. Plusieurs personnes qui disent que c'est arrivé. Il faut relancer le jeu et revenir. Normalement, c'est bon. Donc, bah écoutez, je vous reprends tout de suite. Hein. Je vais quitter le serveur. On va voir, on reprend et à tout de suite. De retour! Et effectivement, regardez, c'est devenu blue. Ça n'est plus purple, c'est blue. Et quand c'est blue, c'est vachement plus doux. Eh oui, et voilà, et là on peut passer à l'intérieur. Là-haut, par contre, c'est pas purple. Là-haut, c'est. Ah si, c'est purple. Je peux passer partout. Je peux aller où je veux maintenant, c'est bon. C'est bon les enfants, ça y est, c'est réglé. Ok, c'est génial. Donc, on est toujours sur la quête principale. Oh, la vache. Ouais, ça rigole zéro, attention. Hein. Je sais pas ce que... Ça doit être le cœur de la machine météo, ça, à mon avis, justement, je pense. C'est peut-être le cœur du problème. On va voir si Audrey Hepburn peut nous apporter des réponses. Un chat! Un chat! Ouh, un chat! Et on peut pas le cramer, Manny. On peut pas manger un steak de chat, ça va. Là, je sais qu'il y a la team chat qui est horrifiée derrière son écran en mode « Oh, qu'est-ce que tu fous, papy ?» C'est un jeu vidéo, les enfants. C'est un tas de pixels, on se détend, ça va aller. Hop. Terminal. Terminal de recherche de Jill Parker. 2 septembre, était-ce une erreur? Peut-être qu'accepter ce travail de la part de Monsieur Stroll, c'était une mauvaise décision. C'était si soudain. J'ai déménagé dans l'abri très tôt pour travailler sur les systèmes de défense, en laissant ma famille et un emploi plutôt lucratif chez Robco derrière moi. Mais il a été très clair en affirmant qu'il avait besoin de mes compétences en neurologie et cybernétique pour créer de meilleurs lendemains souterrains. Mais également promis une place sous terre pour le jour où les bombes finiront par tomber. Alors, qu'est-ce que je pouvais répondre d'autre? Mon patron est vraiment excentrique. J'imagine que les grands de ce monde pensent que répéter des citations de philosophes et autres personnalités historiques en boucle est un signe de prestige. Enfin, je veux dire, c'est un robot tueur, quoi. Je vois pas pourquoi il aurait besoin de parler tout court.
Je m'attendais pas à ça, mais au moins j'ai une place dans un abri pour le jour où les bombes tomberont. Quand ce sera fait, peut-être trouverai-je enfin un projet digne de mes talents. 27 octobre. Il lui aura fallu 2 mois pour avoir des regrets. Fichier corrompu. C'est ballot. 30 octobre, mon travail me fait tenir. Fichier corrompu. D'accord. 12 novembre, encore des réécritures. C'est la 3e fois maintenant. Trop patriotique, trop récent historiquement. C'est une foutue blague, non? C'est une machine meurtrière de fin du monde par un poète qu'on va exhiber au public ou dans des fêtes de Richard. D'accord, vous voulez des citations inspirantes? Les élites riches et autres pseudo-intellectuels nés avec une cuillère d'argent dans la bouche adorent les érudits littéraires, les présidents, les philosophes, les généraux célèbres et consorts. Très bien. Alors plongeons dans le ridicule. Travailler là-dessus me donne la migraine. Ça commence à me filer de l'urticaire. Le stress doit me rendre malade. Ok, vraiment, 13 novembre. Ils nous ont aimés. Alors qu'on se méprenne pas, hein, je suis ravi que ce soit enfin fini. Hein. Cette tâche était un tel enfer qu'elle m'a rendu malade. J'ai littéralement perdu mes cheveux à cause du stress. Ouais, alors. Je suis pas sûr que ce soit les cheveux. Je suis pas sûr que ce soit le stress. Hein. Mais vraiment, c'est ça qui a marché. J'ai écrit tout ça comme une boutade. Mais j'imagine que j'avais raison concernant les riches et les intellectuels, soyons clairs. Je me fiche que ce robot énonce ce genre de palabre en pleine action, mais c'est complètement ridicule. Ah, complètement, on est d'accord. Bon, bien tout ça. La fin de cette mission stupide est en vue. J'ai juste besoin de boucler quelques bricoles et je pourrai enfin être assigné à un autre projet. Voltec avait une seule tâche, bordel. Apparemment, tout le monde a été exposé à une fuite de radiation. Tout ça parce que Voltec et le superviseur Stolz ont fait un travail lamentable en renforçant soi-disant cet endroit. Les gens tombent malades. Je suis malade. Je croyais que mon ulcère, mes démangeaisons, ma perte de cheveux, mes saignements étaient dus au stress. Bah putain, c'est du sacré stress, ça. Mais non, on connaît la vérité maintenant. Demain matin, j'irai chercher du Radaway et du Radix avant que tout le monde ne pille les réserves. Pour l'instant, je suis trop faible. Besoin d'un peu de sommeil et de récupérer un tant soit peu d'énergie. Le bon côté, c'est que moi, le travail est fait. Dès demain, une fois requinqué, je chercherai à me faire réassigner. Enfin, je pourrais travailler sur un projet digne de mes talents, maintenant qu'ils ont leur robot tueur ridiculement érudit qui bavasse en permanence. Ça, c'est une intro, une mise en contexte pour le World Bus de la zone. Ça... Alors, je l'ai encore pas fait en français, hein, mais du coup, je comprends de quoi il s'agit. Audrey ? Tiens. Ah merde, ça vole en escadrille. Audrey Hepburn. Enfin, Audrey Stolz. Oui, parce qu'Audrey Hepburn était quand même plus jolie. Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans mon labo ? Tu te détends ? T'appelles ça un labo ? C'est un vrai bordel ! Oh, vraiment ? Il m'a l'air parfaitement normal à moi. Évidemment qu'il s'est passé quelque chose ici, vous croyez pas ? Quel sens de l'observation incroyable ! Oh, je... Désolée, je suis un peu à cran. Je peux enlever-le un peu. J'ai tenté de réparer la machine météo. Mais la documentation a disparu, et même si mon père adorait quelque chose si brillante que ma mère, je suis juste... Enfin bref, pardon de m'être emporté. Vous aviez besoin d'un truc ? Vous êtes Audrey, c'est ça ? Qui vous l'a dit ? Peu importe. Oui, bah ton pas, ton suis papa. Bien Audrey Stolz. Audrey Stolz ? Quant à vous, vous faites tâche dans mon labo. Voilà, les présentations, c'est fait. Vous savez, j'ai déjà assez de soucis comme ça, entre la machine cassée, le bazar partout et les cinglés électrifiés qui se baladent dans le coin. Donc, à moins que vous ayez une raison valable, auriez-vous l'obligeance de vous barrer d'ici ? Ben, j'ai une raison valable puisque ton père m'envoie pour te donner ses plans. C'est quoi ça ? Oh, les plans ! Fantastique ! C'est mon père qui vous envoie ? Ben il oui. Il recrute des gens pour m'envoyer du courrier maintenant ? Bon, aucune importance. Tout ce qui compte, c'est qu'ils sont enfin là. Ben, j'espère bien. J'en ai chié pour te les ramener, je te signale, hein. Bon. Alors... Hugo, c'est donc ton popoi ? Ouais, biologiquement en tout cas. Il s'est jamais vraiment comporté comme tel. Il est plus mon patron que mon père, je dirais. Ah, un patron qui n'arrête pas d'interférer dans ma vie professionnelle et privée. Ah, enfin, et privée. Bref, vous disiez ? La fameuse note. La fameuse lettre d'amour. J'aimerais savoir plus sur votre foutue machine météo, là. Tu peux m'expliquer ? Peut-être que toi, tu seras plus causante que ton père ou le chef de la sécurité ou... Hein ? Eh bien, son nom est explicite. C'était une machine qui gérait la météo. Pour moi, pour vous un savez, con. Vous savez, la surveillance, le contrôle, les trucs habituels. On l'a récupéré pour calmer le conseil d'administration quand mon père voulait l'approbation pour cet abri. Un chouïa de népotisme plus tard et me voilà. Il m'a pas écouté quand je lui ai dit que je gâchais mon talent à bosser sur cette machine, mais... Au final, les recherches ont tourné court avec la chute des bombes. Et plus tard, nous avons trouvé une bonne raison de nous y remettre. Raison qui est... Non, je ne préfère pas en parler. Oh, vous faites chier ! On vient de se rencontrer après tout.
Non mais vous faites chier. Cette machine est importante. Mon père veut que je la répare et j'aimerais beaucoup qu'il arrête de me harceler à ce sujet. Il n'y en a pas un qui donne des réponses, c'est pas possible. Ok, plan livré, boulot effectué. Ouais. Très bonne livraison, merci. Allez, du balai. Quoique... Attendez un instant. Un sbire pourrait m'être utile. Un sbire ? Vous pourriez me laisser 2 secondes pour lire ça ? Voilà une petite récompense pour vous. Comptez vos capsules pendant que je parcours les plans. Puis revenez si vous voulez du travail. Un sbire ! L'hôtel m'a pris pour un sbire ! Mais franchement, un sbire ! C'est les plans de votre machine, ça ? Eh ben... Moi, je serais de toi, je me mettrais comme ça, hein, parce que visiblement, même moi, j'arrive à déchiffrer. Dis donc, si tu lis un plan comme ça, on va encore dire après les femmes qui savent pas tenir une carte routière, pour les plus vieux qui savent ce que c'est qu'une carte routière, parce que maintenant que les GPS... Mais sans déconner, mets-toi au moins dans l'axe de la machine, là, qu'est-ce que tu veux lire ? C'est, le plan est pas droit, cocotte ! Parfait. Les plans indiquent la pièce exacte dont nous avons besoin. Ah bon ? Et c'est de quoi qu'on a besoin ? Il me faudrait quelqu'un qui connaisse l'extérieur pour commencer. Ouais, ça c'est au bon pour moi. Au vu de votre épiderme, je dirais que vous n'êtes pas du coin. Vous avez donc marché jusqu'ici. C'est parfait pour ma petite tâche. Croyez-le ou non, mais le centre des visiteurs de Shenandoah a un appareil de surveillance météo. Bien que beaucoup moins complexe, il possède des pièces uniques que vous ne trouverez dans aucun grippin qui traîne. Ce ne sera pas parfait, mais si la pièce n'est même que vaguement semblable à celle qui a cassé, je devrais pouvoir la modifier et la faire fonctionner. Je vais encore analyser ces plans et mener quelques recherches en amont, au cas où. Je vous laisse le soin d'aller simplement chercher la pièce. Si ça vous tente, bien sûr. Bah c'est pas que ça me tente ou que ça me tente pas, mais je vais le faire, va. Ah, toi tu vas rester ici à bouquiner pendant que je risque ma peau. Plus que lire, je vais étudier. Oh pardon madame. Je dois comprendre comment l'intégralité de la machine fonctionne si je veux pouvoir modifier la pièce comme il faut. À moins que vous ne pensiez que ce système de surveillance météo commandé dans un catalogue utilise la même pièce que votre machine de pointe ultra secrète. Désolée. Tu te calmes ? Je sais que vous allez devoir prendre des risques. Mais croyez-moi, c'est très important. Ouais. Bon, on va dire ça. Et donc avec cette pièce, on peut interrompre la tempête ? Peut-être. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez des années de retard par rapport à nous, donc... Je vais vous expliquer. Ah, merci! En gros, disons que nous n'essayons pas simplement de réparer la météo, mais également les égarer eux-mêmes. C'est l'idée, en tout cas. Et franchement, nous aurions vraiment besoin de votre aide pour ça. Ok, ok, ok. C'est quand même un équipement pointu hein, pour un parc naturel. Ce n'est pas inhabituel pour un parc national de cette taille. Cet endroit a attiré les touristes, mais une météo peu clémente entraînait la fermeture de certains sentiers, ou du parc entier. Enfin bref, c'est ouais, les inondations. M'étonnerait que les rangers s'en servent encore aujourd'hui. Alors, pour ça, vous voulez bien aller me le chercher ? Pour ça, faudrait qu'il reste des rangers, hein. Ouais, ouais, c'est bon, allez, je vais te chercher Merci. Ta pièce. Le centre des visiteurs se trouve au nord du manoir, sur la falaise. Il est probablement abandonné. Le bâtiment n'est pas très grand. Vous devriez trouver la pièce facilement. Une fois récupéré, revenez vite, ok ? Ouais, non mais je connais l'endroit en plus, on y est déjà allé, donc y a pas de problème. Oh, la fée, elle s'est fait un petit jardin. Ils ont glitché ! Oh là 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 là, le glitch ! Ils ont glitché un pot de fleurs dans le décor. Oh, les glitchs interdits. Là aussi, le pot de tulipe, je suis sûr qu'il y a le pot habituel, il est juste masqué parce qu'ils l'ont glitché. Oh là là, Bethesda qui glitch, incroyable. Bon, je te pique un globe en passant. Ah, c'est un petit peu de loot, ça fait toujours pas de mal, surtout des trucs comme ça. La bonbonne de gaz en plastique aussi, ça fera du plastoc, c'est bien. Et les caisses, on peut fouiller dedans hein, pour des carcheurs et autres cochonneries. Ok, c'est parfait, merci Hilda. Audrey, pardon. Audrey, tu me parleras de ta vie privée après. Et pourquoi ton paternel, il a voulu t'empêcher de vivre l'amour avec ton sale porc de communiste là. Ou c'est l'inverse, c'était toi le porc communiste ? Ça doit être ça, je sais plus dans quel sens c'est. Ok, il y a de quoi se balader partout là-dedans. Je sais pas du tout où je vais en fait. Je suis sûr que c'est pas la bonne direction en tout cas, hein. Ça c'est certain. Mais c'est pas grave, à mon avis, à un moment ou un autre, on nous y enverra. Mais bon, moi je fouille. Hein. Tant qu'à faire, on est aussi... Ah ça, je peux pas, vous voyez ? Interdit, forbidden.
Forbidden, c'est écrit, c'est... Non, 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 on peut pas. Bon, nous, on va partir. Oh, il y a une tour ici, là. Attendez, je vois un scan Palmer. Mais en même temps, c'est ouvert. Ah, ouais, bah, le cérébrobo, il montera pas, normalement. Ça, c'est pas monter les escaliers, ces trucs-là. Hop. Vas-y, il y a du bordel là-dedans encore, c'est top. Ah, ils sont là, les cérébrobos. Zerar, de retour. Ne laissez pas ma voix cajoleuse vous tromper. Je suis une machine mortelle. Ta voix cajoleuse, bon, enfin, elle a rien de cajoleuse, ta voix, excuse-moi. Quand t'as la truc mortelle, on voit le résultat, hein. C'est pas gagné. Hein. Capoute, c'est bon. Je peux me barrer maintenant? Vous voulez bien? Voilà, non, ça passera pas. Par ici, oui. Et la guitoune, il y a un truc dans la guitoune. Ah, toujours vivre, toujours fouiller les guitounes. On sait jamais hein, ce sur quoi on peut tomber dans la guitoune. Ok, c'est bon. Alors. Hop, on va se mettre là. Là, d'ici, on a une vue où on domine. Le parc, on voit la tempête et on domine le parc en dessous. On aperçoit le manoir là-bas. Mais nous, ce sera plus sur la gauche. Toute façon, on y est déjà allé. Donc, on va stepper directement hein, sur le centre de tourisme. Voilà, c'est à côté. Welcome to Shenandoah National Park. Ok. Ok. Deux petits rats de cafard. Voilà, on était déjà venu ici, on était déjà rentré, mais nous y étions donc rentrés beaucoup trop tôt. Mais c'est... Hey, mais c'est Kevin! Kevin, qu'est-ce que tu fous là? Oh, 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 qui êtes-vous? Me faites pas de mal. Bah, tu me reconnais pas, on s'est causé dans ton bunker. Détends-toi, je vais pas te faire de mal, je cherche... T'es qui? Bah si, on sait en plus, on s'est déjà croisé, mais bon, qu'est-ce que tu fous là, Kevin? Je suis Kevin. Oui, je sais. J'étais garde forestier ici avant la chute des bombes. Mais je suis pas sûr d'être à la hauteur de la tâche maintenant. Vu comme le parc s'est transformé. Après, je dois bien reconnaître que l'uniforme est confortable. Et puis, je vis dans un bunker situé juste... Non, mais... Attendez une seconde. On a des choses plus importantes à gérer pour l'instant. Tu veux pas me dire où t'habites, mais je sais où t'habites, je suis venu. Je te rappelle que je suis venu. Bon, je veux pas te faire de mal, je cherche juste le système de surveillance oh, météo. Vraiment ? Ah, mais voilà, drôlement soulagé. Oh, la gueule du ranger, toi. C'est pas ici. C'est dans mon bunker. Ah ! Il y a... un petit problème, par contre. Quoi ? La porte de mon bunker... c'est bloqué de l'intérieur et je suis coincé dehors. Oh, le con ! J'étais juste parti chercher quelques bricoles. Oh, le con ! Quitte rarement le bunker. Et bien sûr, il a fallu que ça arrive. Mais qu'est-ce que t'es con ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre entrée au sous-sol de ce bâtiment. Mais la mauvaise alors. Nouvelle, c'est que des types bizarres s'y trouvent. Je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils veulent. Je les avais jamais vus. Mais ils ne m'ont pas paru particulièrement amicaux. D'accord. J'étais juste là, tranquille, quand j'ai entendu des chants flippants. Et une conversation sur une Alex qui les aurait envoyés ici pour un sacrifice. J'ai paniqué. Les adorateurs ? Et les a enfermés à l'intérieur. Ils ne se sont pas aperçus. Mais ils seront furieux quand ce sera le cas. Mais ils peuvent... Attends, ils peuvent déboucher dans ton bunker, vieux. C'est quand même... On parle de quel sacrifice, d'abord ? Le genre de sacrifice que, comme moi, vous... s'imaginer... humain ? Bah t'en sais rien ! Lourdement armé. Et je n'ai pas osé m'approcher plus près pour en savoir plus. Oui, non, mais moi aussi, je suis lourdement armé, c'est pas grave. Ok, allez, c'est facile, j'élimine les cinglés et je t'amène d'accord. À mon bout. Tu m'amènes marchez à ton bunker. Venez... prévenez-moi quand ils seront tous morts. Morts. Mais oui, Kevin, je te préviendrai quand ils seront tous morts. Donc ça, c'est la porte qu'on pouvait pas ouvrir. Ah, ça, c'est la sortie, porte enchaînée. Nous, ça doit être par là, voilà. On a la clé de l'office de tourisme. Cette fois-ci, c'est bon, on peut passer. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce sont des cultistes de l'homme phalène ?
Putain, ils ont allumé des bougies. Ouais, ouais, c'est le culte, c'est l'homme phalène, ça. Ça, à mon avis, c'est les adorateurs de l'homme phalène. Je vois pas ce que ce serait d'autre. Je vois pas d'homme phalène encore, mais par contre, il y a des bestiaux morts. Il y a des. Ça donne envie. Des glouglous. Oh, je veux ça empaillé. Alors là, pour une fois qu'il y a une bestiole empaillée, je veux ça dans mon camp. Ça, en item dans mon camp, je prends tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Le renard empaillé, non. Mais l'autre, ouais. Alors, you. Ici, il faut un clavier numérique, j'ai pas le code. Ah, c'est des adorateurs de l'Alphalène, c'est ça. Allez, c'est fini. Allez, crevez les adorateurs. Ouais, ouais, t'en viens ici, toi. Hop. Oh, joli. Ah, la carte touristique interactive de Shenandoah, j'adore. Et tain, j'espère qu'on pourra avoir l'item à un moment ou un autre. Vas-y, enchaînez, c'est bon, on peut ouvrir la porte, c'est bon. Là, il y a des trucs géniaux par ici. Ok, attends, je ramasse ce que j'ai ramassé. Et là, oh, excellent la maquette. Il y a la mine, on la reconnaît bien, l'arche de pierre là-bas. Ça, c'est la tour de guet dans laquelle on était en pierre. Ça, c'est le puits de pétrole, on n'y est pas allé encore. Ça, c'est le manoir en plein milieu. Là-bas, il y a l'office du tourisme où on se trouve. Ça, c'est une autre tour qu'on a faite. Le camp au sud qu'on a fait aussi. Non, c'est magnifique. Si j'appuie sur le bouton... La Green Arch, ça s'allume là-bas, regardez. Ah non, mais c'est... Voilà, il te dit... Tac, au fur et à mesure, les lumières. Ah, c'est génial. Visitor Center. Dark Hollow Manor. Big Meadows Gaswell. Eh oui, dans un parc naturel, c'est tellement sa place. Stony Man Locut. The Slumber Mill Motel. Icon Liberty. Yeah. Oh, c'est génial. J'adore. Je veux cette maquette dans mon camp. Ça fait au moins 3 items qu'il y a dans cette baraque ici que je veux dans mon camp après coup. Bon, Kevin, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on retrouve notre ami Kevin. Kevin, c'est bon, ils sont tous morts. Kevin, vas-y, open the door, please, Kevin. Open the gate. Ok, let's go. Par clé de l'abri de l'office du tourisme. Mais je l'ai, la clé, justement. Allez, Kevin. Kevin ! Attends, je vais lui causer parce que... Arrêtez d'entendre des cris. Alors je suis venu voir si tout allait bien. Je fuyais pas. Non. Bon. C'était des fanatiques, tu sais pourquoi ils étaient là? Je les avais jamais vus avant. Mais après les avoir enfermés, j'ai surpris quelques-unes de leurs conversations. Ainsi que des chants. Ils n'arrêtaient pas de parler d'une phalène. Ah oui. Je crois que les radiations ont dû leur taper sur le crâne. Non. Ils parlaient également d'un grand rituel et d'une certaine Alex qui les avait envoyés ici pour aider. Bref, je suis ravi qu'ils soient morts et j'espère que cette fameuse Alex n'enverra personne d'autre. Oh, peut-être qu'on aurait dû en garder un en vie, histoire de faire passer le message. Bah, tant pis, c'est trop tard maintenant. Ah bah oui, ça c'est trop tard, je vais pas les ressusciter, hein. Par contre, je pense à un truc, Kevin. Tu dis que tu les as enfermés, Kevin. Moi, je te crois, hein. Mais je te rappelle que la porte, la double porte, elle était enchaînée de l'intérieur. Puisque moi, depuis l'extérieur, je pouvais pas ouvrir. Il a fallu que je les bute et seulement après, je pouvais l'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, en fait, t'avais rien enfermé du tout parce qu'il leur suffisait d'enlever la chaîne sur la porte pour sortir. Ah, Kevin, je te jure. Non, mais... Heureusement qu'ils t'ont envoyé faire Ranger dans le parc national plutôt que de continuer à déployer les mises à jour chez Bethesda. Parce que franchement, non. Bon, les autres gardes forestiers, ils peuvent pas nous aider? Si je savais où ils sont, je suis le dernier à être en vie, à ce que je sais. Mais, pour être honnête, je préfère tout de même la solitude. Ouais, on est tous d'accord là-dessus. Bon, en attendant, ils sont tous morts. Alors montre-moi la machine. Allez. T'as marché. Suivez-moi. Là, je vais vous montrer mon bunker. La machine est là-bas. Merci, vieux. Eh, laisse Kevin tranquille, le cafard. Petit réacteur à fusion et le réacteur s'arrête plus comme avant. Ouais. Suffit les bestiaux. Ah, les bestiaux, se calme. Fous la paix à Kevin.
Encore ? Cafard de mes deux. C'est bon, Kevin ? Ah, on est au bunker. Kevin, attends-moi ! Va pas si vite, tu vas encore tomber sur des bestiaux après. On est arrivé chez toi ? Ok. Qu'est-ce qui te reste comme provision ? Pas grand-chose. Des pots de peinture vides, tu pouvais pas les jeter, non ? La burette d'huile usagée aussi, tu gardes tout ce qui est usagé, toi. T'es comme ça. T'es de ce genre-là, toi, Kevin. Ah, nous y sommes ! La machine que vous cherchez est juste là. Difficile de la rater. Merci de... m'avoir filé un coup de main, au fait. C'est la machine, ça ? D'accord. Bon, bah, allons-y, prenons la pièce de remplacement. Hop. Et ça pète pas la machine ici, elle continue de marcher ? C'est génial, c'est génial. Hein ? Bon. Eh bah écoutez, les enfants, on est pas mal, on est pas mal. Tu t'es réinstallé, Kevin. Toi, t'es devant la télé, tu regardes la neige. Eh ben, regarde la neige, c'est bien. Nous, on va retourner voir Audrey. Hop, on ressort dans les Appalaches. Et nous allons pouvoir retourner voir Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Hop, direction là-bas. Directement, faisons notre rapport à Audrey. Bienvenue dans la station météorologique de l'abri Bounia, de l'abri d'Auvergne. Hop là. Et on va faire notre petit rapport à Audrey Hepburn. Audrey, toujours pas droit le plan, toujours pas droit. Audrey Schultz. La fameuse pièce. Bah oui, enfin que nous cherchons, que tu cherches, hein. Elles vont bien les recherches, t'as bien étudié. Ça ne vous regarde. Eh, je repars. Sois gentil, Audrey. Ouais, parce que je repars avec la pièce, moi. Parfois, mes émotions prennent le dessus et comme je suis stressée en ce moment. Ah, rien à foutre de tes histoires d'hormones. Il fallait juste effectuer quelques modifications sur notre machine pour la relier à la pièce. Rien de trop complexe. J'ai dû simplement standardiser le branchement utilisé par notre machine afin de pouvoir y connecter une pièce classique. Il nous faut juste la pièce maintenant. Vous l'avez ? Ah, et tiens. Ah, oh, quel soulagement. J'avoue que je craignais ne jamais trouver une machine à désosser pour avoir cette pièce. J'espère que vous n'avez pas pris trop de risques pour la récupérer. Bah, à part le fait que j'ai failli me faire tuer par des adeptes à cause de tout ça, non, on va dire que ça va. Attendez un peu. Maudite pièce. Oui, une maudite pièce. Notre machine vaut littéralement plus que nos deux vies combinées. Mais à part ça, j'ai jamais entendu parler d'une secte dans le coin. J'ai même jamais entendu parler de secte en général. Mon père me tient très occupé ici, pour pas dire enfermé. Je me demande ce qu'il fabriquait. Vous croyez que j'ai une tête à connaître tous ces trucs de cinglés ? Tout ce que je sais, c'est qu'il est question, il est rapport de l'homme Phalène et d'une certaine Alex. Alex ? Non, elle peut pas... Pardon, j'ai connu une Alex autrefois. J'ai jamais su ce qui lui était arrivé après la chute des bombes. Mais ça doit être quelqu'un d'autre. Ah ! Mettre la pièce en place ? La petite lettre d'amour ! Avec mes modifications. Tous les connecteurs ont été standardisés pour accueillir une pièce normale. Je le ferai bien moi-même, mais... j'ai besoin d'une minute pour réfléchir à mon équipement. Je vous rejoins après. Ah là 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 là, le plot twist de fin d'épisode, les enfants. Et oui, enfin pas totalement fin d'épisode, mais presque. Mais oui, on a, tu vois, j'ai pensé que le A c'était la signature de Audrey Hepburn sur la lettre d'amour, mais en fait non, le A ça pouvait être Alex, et ce qui veut dire que elle, c'est la pourriture capitaliste, le gros porc capitaliste, et le A qui signait la lettre Alex, c'était la pourriture communiste. Et toi, tu travailles pour une méga corpo, Audrey, pendant que Alex est du côté des adorateurs fanatiques de l'homme Phalène. Oh là là, on va peut-être réunir deux âmes amoureuses qui se sont perdues de vue à cause des bombes, séparées par leur famille. Un petit côté Roméo et Juliette. Bon là, c'est Juliette et Juliette, mais c'est pas grave. Oh là 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 là. Eh ben écoutez, ça c'est de la surprise. Du coup, il faut qu'on installe la pièce. Alors attendez, on va installer la pièce sur la truc météo. Alors, il faut qu'on la trouve, la truc météo. Elle est là, la truc météo. Mais par contre, c'est au-dessus en fait. D'accord. D'accord. Alors, je vais pas pouvoir regrimper par ici. Il faut que je repasse par là. Ok, hop.
Voilà. Allez, installons la pièce. Ah, il faut garder le dos appuyé dessus. Tac et boum! Magnifique! Ticket pour la vengeance. Audrey Stoltz! On peut causer Audrey Stoltz? Ouais. Montrez comment vous avez placé la pièce. Passable. Passable. J'ai oublié de brancher des connecteurs, mais c'est pas mal pour une première tentative de réparation de machine météo. Il nous reste plus qu'à obtenir un scan des yeux de ma mère. C'est la seule de cet abri autorisée à contourner les vérifications de sécurité quand on la redémarrera. Audrey! Audrey! J'avais bien cru entendre ta voix. Ouais, enfin, vu les yeux de ta mère... Bien, on a besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe? Urgence. Ta mère, elle n'est plus là. Oh bah merde alors! Plus là? Comment ça? Je croyais qu'elle était stable. Non, pas dans ce sens-là. Elle n'est pas dans sa chambre. Des gens l'ont enlevée. Ils ont laissé une note. Oberlin me l'a lue. Des gribouillis à propos d'un homme phalène. Alex! Alors, vous croyez que cette fameuse Alex a quelque chose à voir avec ça? Alex, dans une secte? Non, impossible. Je me suis occupé d'elle. Ou tu vas avoir des emmerdes, qu'est-ce toi. Que tu viens de dire? Ouh là 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 là! Ou qu'est-ce qu'il a dit? Rien, ma chérie. Ma langue a fourché. Vas-y, prends la pour une conne en plus. Je me suis occupé d'elle. Prends la pour une conne en plus. Tu t'es occupé d'elle, papa? Il l'a sauté. Non. Bon. Écoute, je ne voulais pas que tu la prennes, mais elle était un risque pour notre avenir et celui de nos affaires. J'ai dû m'assurer que tu restes ici avec nous. J'ai fait ce que j'avais à faire. Pourquoi je suis pas surprise? Je me doutais que t'étais derrière sa disparition. En quoi le bonheur de ta fille pouvait-il être une menace? Chaque seconde de mon existence a été dictée par tes ordres. Résultat, j'ai été malheureuse toute ma vie. Allons, allons, ce n'est pas vrai. Je vais peut-être vous laisser. J'ai toujours apprécié de bidouiller des machines. Je me suis simplement assuré de ta sécurité pour que tu te concentres sur l'important, nos affaires. Et regarde, regarde comment tout s'est bien arrangé. Cette machine que tu as aidé à construire et entretenir, c'est un vrai chef-d'œuvre. Non, mais tu délires ou quoi? Regarde-nous! T'as vu tous ces égarés? Et maman est dans le coma, putain! Oui. Comment peux-tu dire que ça s'est bien arrangé? Je ne peux raisonner contre l'irraisonnable. Oh, c'est bien dit, c'est joliment dit. Bonne journée. Elle entendra raison. Elle a toujours eu un goût prononcé pour le dramatique. Elle tient ça de son père, j'imagine. Ah, tu fais de l'humour encore. Nous avons des choses plus importantes à gérer pour l'instant. Comme récupérer ma femme. Et vite. Et vous avez prouvé être parfaitement à la hauteur de la tâche. S'il vous plaît, j'ai grand besoin de votre aide. Attends, parce que moi je veux en savoir un peu plus. En plus, je trouve ça quand même un peu gonflé. Toi, ta femme, c'est par-dessus tout, mais ta fille, elle a pas le droit d'avoir une copine, quoi. D'accord, ok, on voit ce que c'est, hein. On voit le genre. Donc, la lettre que j'ai trouvée avec le plan, elle était d'Alex, c'est ça, Alex pour Audrey. Oh, cette stupide lettre est ce qui nous a plongés dans cette situation en premier lieu. Je devrais vous dire de ne pas mettre votre nez dans ce qui ne vous regarde pas, mais je crois que nous avons largement dépassé ce stade. Ouais, Cassidy ouais. Et moi avons été choqués par cette note. C'était si vulgaire. Oh, vulgaire. La savoir si cultivée me dépasse complètement. Bien, ça suffit. Occupez-vous de votre mission. Tout ça parce qu'elle était en train de parler de gros porcs communistes et de... Non, mais ça va, quoi, je t'en prie. Bon, par contre, qu'est-ce que tu veux dire par « je me suis occupé d'elle » Parce que je voudrais savoir. Pour moi, il y a deux options. C'est soit t'as envoyé... Putain, le tueur à gages. La note du tueur, eh ben non, c'était pas pour ça, c'était pas pour elle. C'était pas pour Alex. J'ai pas souvenir que ce soit pour ça. Ah, j'ai un doute. Non, je crois pas que ce soit ça. Enfin, de toute façon, pour moi, il y a deux possibilités. Soit il a voulu la buter, soit il l'a payé pour qu'elle se casse. C'est possible aussi, hein. Ce genre de personne ne recule devant rien, considérant que tout est achetable, que tout a un prix, hein. Même si c'est une réalité, tout a un prix. Mais il y en a qui sont assez cyniques pour aller demander aux gens quel est leur prix. Donc peut-être qu'il a été voir la gonzesse et qu'il lui a dit quel est ton prix pour foutre la paix à ma fille. Tu vois, c'est ça. Bon, après, c'est là qu'on voit si l'argent est plus, si le goût de l'argent est plus fort que les sentiments. En fait, c'est le prix des sentiments qui est mesuré à ce moment-là sur un cas comme celui-là. Alors, est-ce qu'il a voulu la buter ou est-ce qu'il a juste payé pour qu'elle se casse?
Nous n'avons pas de temps à perdre avec ça. Oh, tu m'emmerdes, Stones. Elle avait une mauvaise influence sur ma fille. C'était une menace pour mes affaires. Je devais protéger mes affaires et, plus important encore, Audrey, de ses idées communistes. Oh, les communistes! Pouvons-nous maintenant nous occuper de notre vrai problème, à savoir Alex? Pourquoi t'as besoin de Cassidy pour contourner la sécurité, déjà? J'aurais voulu avoir confiance en Audrey, mais elle risquait de se retourner contre moi. La faute à qui? Cassidy a dû autoriser des vérifications et des changements majeurs pour faire en sorte qu'Audrey reste sur la bonne voie. Maintenant que j'y pense, ce n'était sans doute pas très malin qu'une seule personne soit autorisée à faire tout ça. Ah bah ça, je te le confirme. Bref, c'est trop tard. Alors vous feriez bien d'y aller avant qu'il la tue. Ce que je me demande, c'est si t'es tellement affolé de pas retrouver ta femme, si c'est parce que c'est juste ta femme, ou est-ce que c'est parce que c'est la clé pour la machine et tout le bazar. Parce que franchement, je m'interroge. Le coup de quand tu vois comment tu traites ta fille, mais c'est terrible, quoi. Donc je me dis, est-ce que t'as vraiment des sentiments pour ta femme, ou est-ce que c'est juste que tu la vois comme un morceau de ta vie, parce qu'en fait elle a la clé de tout ce dont t'as besoin pour ton boulot et tes projets. Hein, je me demande. Bon, je vais t'aider. Wunderbar. Wunderbar. Cette machine est dans l'intérêt de tout le monde. Bien, la note mentionnait quelque chose à propos d'une vieille mine abandonnée. Ah, je vois où c'est. Il n'y en avait qu'une seule dans ce parc. Ah, j'ai ouais. failli l'acheter à un moment pour des... Ce n'est pas important. Mais c'est jamais important. Essayez de vous mêler aux fanatiques. Je crains qu'ils ne fassent du mal à Cassidy s'il voit un intrus. Allez aussi au sud-ouest. Où il la garde et débarrassez-vous d'Alex. J'espère que vous ferez mieux que la dernière personne que j'ai envoyée après elle. Ah non, donc il voulait la buter. Ok. Toute cette violence, hein, quand même. Tu rejoins les adorateurs, trouver Cassidy, tuer Alex. Mais vous pensez que c'est la même? Je ne sais c'est vrai, pas. Peut-être. Mais comme le tueur que j'avais engagé n'est jamais revenu, elle a peut-être survécu. Ah, attends, de commencer par là. Rejoindre une secte reste dans le domaine du possible au vu de ses excentricités passées. Mais même s'il ne s'agit pas de la même Alex, quiconque a kidnappé ma femme mérite de mourir. Oulala, t'es assez prompt à juger du mérite ou du pas mérite des autres, je trouve, attention. Hein. Bon, et si je préférais éviter de la tuer? Moi, je préférerais que si. Mais d'accord. Vous avez sans doute raison. Tout ça n'a mené qu'à plus de chaos. Pas vrai? J'imagine que vous pourriez essayer de la raisonner un peu. J'ai ce livre avec moi. Pourriez-vous lui donner en gage de bonne volonté? Je l'ai pris à Audrey. C'était un cadeau d'Alex, je crois. Je me suis dit qu'il valait mieux lui retirer tout ce qui pourrait éveiller ses sentiments. Les romances de jeunesse, vous connaissez. Bref, je pense que ça pourrait suffire à la persuader de venir rejoindre notre famille. Oui. Si c'est le prix à payer pour récupérer Cassidy vivante, alors je crois qu'il est grand temps que j'accepte la présence d'Alex dans nos vies. Le problème, c'est la question, c'est est-ce qu'Alex a envie d'être dans vos vies, parce que là, c'est pareil, t'es vraiment auto-centré comme mec. Hein. C'est hallucinant, c'est ouais, il faut que, bon, ok, on l'accepte chez nous, mais qui te dit qu'elle a envie de venir chez nous? Moi, de ce que j'ai lu de la lettre, c'est que j'ai plutôt eu l'impression qu'Alex voulait que Audrey se barre de chez vous, tu vois. C'est pas vraiment l'envie de venir vivre avec vous. Et puis quand je vois ta tête, je la comprends en même temps, ça c'est sûr. Pourquoi tu changes d'opinion comme ça d'un seul coup? Toi, t'es vraiment, tu marches à l'intérêt, hein. Bon, c'est pas parce que t'as des mots allemands sympas comme « Wunderbar » que, bon, voilà. Eh bien, non. Peut-être qu'Audrey avait raison concernant cette histoire de bonheur, et peut-être que vous avez raison concernant cette histoire de violence. Enfin bref, pourrait-on se concentrer sur la récupération de ma femme? Après, tu sais, moi je disais ça pour la forme, buter Alex, ça me dérange pas en fait, hein. Y a pas de souci, hein. Bon, je vais aller lui parler. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous feriez bien d'y aller. Je vais gérer Audrey. Retrouvez-moi à l'atrium quand nous pourrons chercher ma chère Cassie. Ah, ma chère J'enverrai Cassie. J'enverrai des gens la ramener en toute sécurité une fois que vous aurez accompli votre mission. Ah, eh bien, Wunderbar ! C'est la fin de l'épisode, les enfants. Désormais, quand on va arriver à la fin de l'épisode, je crierai Wunderbar ! Formidable ! C'est bon, c'est bien, on a terminé. La plus vieille russe du monde est finie. Il faudra qu'on aille récupérer, donc, du coup, la fameuse Cassidy et qu'on découvre qui est cette Alex. Est-ce que c'est la vraie, pas la vraie ? Eh bien, écoutez, les enfants, on verra cette Alex lors du prochain épisode, du coup. Elle a dû se faire goulifier aussi, parce que sans quoi, elle serait plus là. 30 ans plus tard, je pense qu'elle serait pas en bon état.
on verra bien ça très très vite. Moi je vous fais tout plein de gros poutous les enfants, n'oubliez pas le pack YouTube, pouce, partage, abonnement, cloche et commentaire. Je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite des aventures de Papy dans la vallée de Shenandoah, dans la vallée de Shenandoah, dans la vallée de Shenandoah. Non, il faut que j'arrête de chanter. Hein. C'est bon. À vous les studios, ciao.